Bonjour à tous, c'est Maxime. Alors bienvenue dans cette vidéo faite un peu à l'arrache et un peu rapidement. Alors si vous suivez un petit peu les nouveautés guitaristiques, alors vous êtes probablement tombé sur la news de la sortie d'un nouveau plugin de chez Neural DSP. Et ce plugin, c'est la simulation d'un ampli mythique de chez Mesa Boogie, qui est le Mesa Boogie Mark II C+. Et dans ce même plugin, vous avez également la simulation du Mark II C++. Donc ampli mythique, comme je vous l'ai dit, qui a été utilisé aussi bien par Prince que par Metallica ou John Petrucci, et qui se retrouve donc sous la forme d'un plugin chez Neural DSP. Alors pour être totalement honnête et franc avec vous, les plugins de chez Neural DSP, j'en ai testé quelques-uns, je n'en possède pas. D'ailleurs, là j'ai téléchargé la version de test du Mesa Boogie Mark II, mais j'en ai essayé quelques-uns parce qu'il semble avoir une hype autour de Neural DSP et de leur plugin et de leur hardware avec le Quad Cortex par exemple. Et je dois dire que, eh bien, contrairement à peut-être plein d'autres et même contrairement à vous qui regardez, eh bien, je ne suis pas particulièrement emballé par ce qu'ils proposent. D'une part, je pense parce que je ne fais probablement pas partie de la cible. C'est-à-dire que si vous prenez tous les plugins qui ont été développés par Neural DSP, on est quand même dans une esthétique très métal et très métal moderne, on va dire. Donc ça, c'est représenté par tous les plugins qu'ils nomment Archetype. Donc le premier, je crois que c'était Pliny, celui-là je l'avais testé. J'ai essayé également le plugin Noli. J'ai récemment essayé également l'archétype Cory Wong, qui peut-être correspond peut-être davantage à ma personnalité, à ce que je fais, mais pareil, ça m'a, dans le lot, ça m'a pas forcément vraiment emballé par rapport à ce que je possède par ailleurs. Et probablement que j'essaierai aussi le plugin Tone King, qui est plus orienté sur des sons vintage. Peut-être qu'il me correspondra davantage. Donc leur dernier plugin qu'ils sortent, le Mesa Boogie Mark II, Mark II C+, voilà, ça fait parler de lui, évidemment, dans la sphère guitaristique, et donc je voulais quand même tester et essayer ça, et peut-être confirmer ou infirmer ce que je pense de Neural DSP. Alors je dis pas du tout que Neural DSP c'est pas bien, évidemment, je dis juste que pour moi, voilà, c'est pas véritablement ce qui me convient. Et c'est très bien, d'ailleurs, voilà, ce qui va me convenir, ça va peut-être pas convenir à quelqu'un d'autre. Donc heureusement que voilà, le marché est assez vaste et je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Donc écoutez, sans plus attendre, eh bien, on va tester quelques sons. Voilà, je vais passer comme ça en revue quelques presets, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me contredire, peut-être que vous trouvez ce plugin très bien, et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Rapidement, la présentation du plugin. Bon, si vous êtes familier avec les plugins Neural DSP, voilà, vous savez comment ça fonctionne. On a une première section ici avec des pédales d'effet estampillées Mesa, donc tout est estampillé Mesa Boogie. On a un compresseur, une overdrive, une deuxième overdrive et un chorus. Ici, vous pouvez choisir donc la page des pédales qui sont devant l'ampli. Vous avez l'ampli en question. Avec ici, tout en bas, vous pouvez choisir la version Mark II C+ ou Mark II C++. Ici, c'est le plus. Vous appuyez sur le plus et vous avez la version en Tolex noir qui correspond donc à la version Mark II C+. Ensuite, vous avez vos réglages concernant les haut-parleurs, les baffles. Donc ici, vous pouvez choisir les différents micros. Vous pouvez évidemment positionner les micros comme vous le voulez devant les HP. Ensuite, vous avez une EQ paramétrique avec différentes bandes de fréquences que vous pouvez régler comme vous le souhaitez. Et à la fin, on a une section d'effets assez restreinte par rapport à d'autres plugins de Neural DSP. Ici, vous avez un délai et juste une reverb. Alors, au niveau des réglages de l'ampli, vous avez
Et bah, la reproduction fidèle de ce qu'était le, de ce qu'est toujours, je pense, le Mark II C+. Alors, je pense que c'est un ampli quand même qui est un peu difficile à régler, parce qu'il y a quand même pas mal de possibilités entre déjà tous les potentiomètres que vous avez. Et en plus, certains potentiomètres ont des une fonctionnalité de push-pull. C'est-à-dire quand vous tirez dessus, vous enclenchez soit un dip switch, soit vous passez sur le lead, soit vous avez le bright ou alors un mid-shift. Et en plus, vous avez la fameuse égalisation 5 bandes de chez Mesa Boogie. Voilà, avec différentes bandes de fréquences. Voilà, et ben maintenant on va voir comment ça sonne. Pour les deux premiers presets, on est vraiment sur des sons très sales, on va dire. Beaucoup trop sales pour moi, je dois dire. Ça me convient pas véritablement. On va voir ce que ça donne avec les autres. Donc ici, je suis sur le preset Burning Clean Channel. Donc soit on est sur du clean, mais du clean un peu flamboyant, on va dire, un peu chaud, puisqu'il est burning. Et il est quand même très chaud. On est sur le preset Classic Lead. Personnellement, ça me plaît pas du tout. Je trouve ça très agressif, évidemment, mais bon, c'est sur un peu l'esthétique de la chose. Et puis, je trouve ça, pour ma part, très chargé aussi en fréquence aiguë. Alors là, on est sur une égalisation aussi, vous voyez, sur l'ampli, la fameuse égalisation en V qui coupe quand même pas mal de fréquences médium. Donc là, voilà, ça me correspond pas du tout, ça m'inspire pas véritablement. Je trouve ça trop agressif, trop dans ta face, on va dire. Mais bon, je sais que c'est voulu, c'est aussi comme je disais, c'est cette esthétique-là qui est recherchée. Et puis, je trouve ça aussi un peu brouillon, quoi, finalement. Tout se mélange un peu. Et alors, il y a aussi le fait que j'écoute ça au casque. Et de manière générale, je trouve que
c'est pas l'idéal de voilà les sons de guitare écoutés au casque. C'est un problème en soi, et c'est pas forcément l'idéal. Mais bon, pour l'instant j'ai pas trop le choix. Je peux pas trop faire de bruit plus que ça dans le petit appartement, donc écouter au casque, c'est la solution la plus facile, mais pas forcément la meilleure. Alors, ce que j'ai failli oublier de dire, c'est que vous avez également des réglages qui se trouvent derrière l'ampli, comme sur le véritable ampli physique. Donc, vous cliquez ici là, sur la petite flèche qui tourne, et vous pouvez retourner votre ampli, et vous avez un réglage de réverb, un réglage de présence, et je crois que l'autre fonctionnalité ici, c'est le réglage de classe d'amplification, classe A ou simul-class, je crois que c'est peut-être ce qu'on appelle classe AB, mais bon, vu que je n'y connais absolument rien en électronique et en amplification, donc peut-être que je dis absolument n'importe quoi, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, c'est un réglage que vous pouvez changer avec la réverb et la présence, et je crois que c'est la seule chose sur ce panneau que vous pouvez régler. Alors maintenant, on va faire un tour du côté des presets d'artistes. Je vais pas tout faire, évidemment. Je vais aller vers des guitaristes qui me parlent davantage, qui sont par exemple Jack Gardiner. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo où je repiquais un plan de Jack Gardiner. Si vous n'avez pas vu, je vous encourage à aller la voir. Et on va prendre le Andy Timonish. Comme son nom l'indique, qui est un preset dans l'esprit d'Andy Timmons, que j'aime bien également, donc peut-être que ça va me plaire. Faire ça aux autres qu'on a testé, mais je suis toujours pas emballé. On va aller voir qui? On va aller voir Tom Quayle, voilà, qui est guitariste plutôt dans pas enfin, que j'aime bien, guitariste fusion qui est vraiment excellent. Qu'est-ce qu'on a? Le lead plus mids, essayons ça. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense que je vais m'arrêter là, et je pense que je n'irai pas plus loin avec ce plugin, qui est encore une fois, c'est un bon produit, mais je pense que ce n'est pas un produit qui me correspond, c'est pas un produit pour moi, et c'est aussi très important de savoir ce qui vous correspond, vous, en tant que guitariste, et avec le jeu et la sensibilité que vous avez.
Comme j'ai dit en introduction, ce qui me convient peut-être ne conviendra pas à une autre personne, et vice versa. Et c'est très bien comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez essayé ce plugin, si ça vous plaît, ou alors que si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas forcément emballé par la hype autour des plugins de Neural DSP. En attendant, je vous encourage à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'aller regarder toutes les autres vidéos qui sont présentes sur la chaîne Modern Guitar. Et moi, je vous dis à bientôt.